Philippe Chauveau, bonjour. Bonjour. Vous êtes né en 1950, ça fait donc maintenant 62 ans. Bon. Ouais. Et alors là, je vais rentrer, parce que pour le moment c'est assez officiel, je vais rentrer dans un brin de provocation. Vous êtes né fils de Paumé, chez les Paumés, et à vue d'homme bien parti pour être un Paumé professionnel. En fait, votre boussole, il y en a une boussole à nous, c'est la famille, la maison, elle ne fonctionnait pas vraiment, votre boussole. Elle était même, comme on dit, d'une boussole, elle était folle. Elle indiquait même pas le nord, votre boussole. Donc, pas de référence. Et alcool et baf, c'était les références. Et comme vous étiez fragile, vous en avez sans doute eu plus que votre compte. Tout le monde s'y est mis, y compris la religion. Et ce que j'ai noté dans le bouquin, c'est que vous n'avez même pas évoqué votre baptême. C'est presque un non-événement. Il faudra que vous nous disiez si vous avez été baptisé ou non. Et alors, je ne vais pas tout raconter, parce qu'on est maintenant 62 ans plus tard. Et donc, je me tourne vers notre personnalité pour dire « Père Jean-Philippe, bonsoir ». Vous êtes 62 ans plus tard, au quotidien, on vous retrouve prêtre de l'Église catholique, c'est-à-dire un référent pour beaucoup, et puis pour les cathos, on pourrait même dire, autrefois on disait mon révérend. Donc il y a un sacré chemin entre le paumé professionnel et mon révérend. Et donc, et puis il y a une autre chose, il colle avec l'Institut Saint-Jean, vous avez même donné des cours de philo. Quand même un truc assez étonnant, hein. Et donc, il s'est passé des trucs en 62 ans. Et ce qui nous intéresse ce soir, c'est nous dire ce qui s'est passé. Parce que pour nous, c'était complètement improbable que ces deux bouts, 62 ans après, se rejoignent. Donc, il s'est passé quelque chose. J'oserais, d'un début de question, il y a eu des clés, plusieurs clés. Ces clés, elle s'appelle Fernand, il est parmi nous, on lui donnera peut-être la parole. Elle s'appelle Marie-Dominique, malheureusement il n'est plus parmi nous. Un cheminement, est-ce que c'est l'intelligence de l'homme? Parce que finalement l'intelligence, elle arrive à émerger, même si le milieu peut s'y opposer, elle arrive à émerger. Un hasard, tout s'enchaîne dans le bouquin. Alors je peux pas, j'ai pas l'impression qu'il y a un hasard, quand toutes les rencontres sont improbables. La nécessité, est-ce que c'est uniquement la rage ou l'instinct de s'en sortir? Alors, Philippe à Jean-Philippe, dites-nous. Ah, c'est Philippe. Voilà. J'ai combien de temps pour répondre? Vous avez une heure. Une heure? Trois quarts d'heure. Trois quarts d'heure. Voilà, vous êtes déjà un coré. 45 minutes. Mais je crois qu'il va falloir que je vous arrête à un moment donné, tellement il y a des choses à dire. Allez-y. Non, j'aurais laissé du temps pour les questions. On entend bien, là? Non. On prend le micro. Non, mais ça marche, la soirée marchait. C'est micro sans fil, ça marche là. Alors celui-là. Ça c'est pratique. Ouais, voilà. Je vais essayer de commencer par le début, puis je voudrais bien en profiter que Fernand est là. J'ai beaucoup parlé de lui, mais on ne peut pas toujours être là. J'ai été interviewé il y a 2-3 jours, radio. Non, RFO, c'est France O. Alors j'ai eu le droit au maquillage, ma peignée, tout, je dis ça va, je vous plais. Et c'est une petite émission qui s'appelle 10 minutes pour le dire. Je ne savais pas que ça dépendait de RFO, mais en fait c'est transmis sur toutes les îles françaises. Et c'était un très beau moment. Alors pour répondre un peu à votre question, c'est vrai que dans le temps on m'aurait dit tu vas devenir prêtre. Je le dis souvent d'ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors c'est sûr que dans le livre, vous verrez quand vous lirez, ou si vous l'avez déjà lu, c'est jalonné de rencontres. Il y a des rencontres importantes. Parce qu'après, il va le mettre sur un site. Vous pouvez regarder. Et en fait, ces rencontres ont été des rencontres importantes. C'est un micro. Ah, c'est un micro, pardon. C'est des rencontres importantes. Voilà. Excusez-moi, je cherche un peu le fil parce que j'ai pris beaucoup de notes. Donc je suis d'origine de Nantes.
Mes parents se sont séparés, j'avais 5 ans. Première séparation. Où nous, s'il y a des enfants ici qui font partie... Non, mais il y a les micros. C'est un micro. Si, c'est les micros. On va y arriver. Il faut le serrer par petit peu. Jean-Michel est aumônier à la prison de Nanterre avec moi. Donc je m'en rappelle pas. Je me rappelle, j'ai des souvenirs qui sont assez forts, dans le sens violent, de ma première pension à Bethléem à Nantes, avec des bonnes sœurs. Il faudrait dire avec des sœurs, parce que bonnes sœurs, ça ne va pas ensemble. Hein. Et c'était, finalement, le plus malheureux, je ne sais pas si c'était moi, c'était peut-être elle aussi. Mais de fait, on pâtit. Quand on est gamin, on ne sait pas, on est réceptif. On est en quête de quoi ? On est en quête d'amour, d'affection. Est-ce que tu m'aimes ? Est-ce que je suis aimable ? J'ai beaucoup été marqué par ma rencontre avec Jean Vanier. J'aurais peut-être pas le temps d'en parler parce que on peut pas parler de tout, mais je me rappelle d'une histoire que Jean nous racontait. Un garçon avec qui il était dans un des foyers, parce que j'ai eu la chance de vivre dans un foyer pendant 2 ans. C'était en Italie. Et en fait, il y avait un garçon dans la petite chapelle du foyer où il y avait le Saint-Sacrement, parce que c'était à Rome. Et puis le garçon se balançait comme ça. Et puis il disait... Le mal est en moi. Le mal est en moi. Et puis avec beaucoup de tristesse, beaucoup de... On sentait que son cœur était lourd. Et puis Jean raconte ça merveilleusement pour faire toucher un peu la souffrance de l'autre. Puis il s'est approché avec beaucoup de temps, avec beaucoup de délicatesse. Et finalement, il a fini par pouvoir parler avec lui au bout d'un certain temps, ou un temps certain. Et puis le garçon a fini par lui dire « Mais dans ma famille, personne m'aime. » Donc je ne suis pas aimable. Je résume, mais si je ne suis pas aimable, c'est que le mal est en moi, donc on ne peut pas m'aimer. Donc voilà, c'était sa souffrance. Le mal est en moi. Et je crois que c'est une de mes premières souffrances que je peux poser maintenant. Et c'est pour ça que peut-être aussi c'était important pour moi ce livre. J'ai mis du temps à l'écrire, je l'avais dans la tête, je l'avais dans mon cœur surtout, parce que je ne suis pas très doué pour écrire. J'aurais aimé que Luc Adrian soit là ce soir, mais je pense qu'il n'a pas pu venir, parce que sans lui, ça n'aurait pas pu se faire. Luc Adrian, il est journaliste à Famille Chrétienne, et c'est lui qui a écrit avec Tim Guénard « Plus fort que la haine ». Et puis on était trois, donc puis il y avait Omblin, qui est sa belle-fille, donc qui est mariée avec Jean Adrian. Voilà, on a passé beaucoup de temps, et ils m'ont permis de vraiment de vider mon cœur, quoi. Et de le mettre ensuite en page, en chapitre. Donc ça, c'est une des premières choses, et je crois que ça peut nous faire comprendre un petit peu la grande souffrance de beaucoup de jeunes aujourd'hui, même dans les prisons, même dans la prostitution, même des gens qui sont en révolte ou qui sont complètement écrasés. Et avec ce qu'on nous prépare, je pense que ce ne sera pas mieux, ce sera même pire, en souffrance. Je n'ai pas à juger, je ne veux pas rentrer en politique. Mais voilà, un monde sans amour, où on ne transmet pas d'amour, je ne vois pas ce que ça peut être, quoi. La première découverte, ça a été... Donc j'ai d'abord été en pension de 5 ans à 9 ans, chez ses bonnes sœurs. Hein. Non, pas 9 ans, parce que ça a dû durer 2 ans. Et puis après, mon père est venu nous chercher. À partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais revu ma mère. On la voyait une fois de temps en temps. Et puis, on a été placés dans une autre pension, les 4 enfants, puisque... Elle est chiante, cette porte. Hein. Oui. C'est pas ta faute. Hein. Et en fait, on a été dans une autre pension près d'Angers. Donc, mes deux frères et ma sœur. Donc, il y a mon frère Gérard. Ensuite, il y a Chantal, ma sœur, qui aujourd'hui habite en Espagne. Mon frère habite près de Rouen. Après, il y a moi, troisième. Et puis, il y a Patrick. Qui n'est pas là ce soir non plus, hein. J'ai même pas pris le temps de l'inviter, je suis con, mais... vous le dire à personne. Et on lui enverra la vidéo. Et puis voilà, donc on était dans une pension, et je crois que c'est là où je raconte dans le livre, hein, où j'ai eu le premier désir de devenir prêtre, puisque le prêtre allait à la chasse, et moi je me disais... À l'initiative de la grand-mère. C'est la grand-mère qui avait décidé. Ça vient après, je ne le savais pas tout de suite. Pas tout de suite. Mais il y a quand même un événement important, c'est que mon père venait nous voir quand même
pas très souvent, mais une fois de temps en temps. Et je m'en rappelle, c'est un événement qui m'a marqué. Il y a d'autres événements, on ne peut pas tout raconter. Et en fait, on ne mangeait pas assez, on avait froid tout le temps. C'était à la campagne. C'était, vous voyez, j'avais 7 ans, donc c'était en 57. À l'époque, c'était les poêles à bois, les poêles à charbon, hein, comme en Normandie, quoi. Et en fait, mais surtout, on mangeait pas assez et on avait l'interdiction de boire. Il n'y avait pas de robinet dehors. Quand on mangeait, on nous surveillait. Quand on se lavait les dents, on était surveillé. Pourquoi ? Je ne sais pas. C'était une expérience, sans doute. Mais en fait, j'ai eu le désir de devenir prêtre parce que là, on allait à la messe, il y avait les vêpres, il y avait le chapelet. Je me rappelle qu'on a prié à genoux à la mort de... En 57, qui s'est guetté pape ? Parmi les plus anciens, là. La mort de Pie XII ou je ne sais pas qui. Mais, non, Paul VI, c'est venu après. Mais nous, les jeunes, on n'en avait rien à foutre. Mais on était devant la radio, là, je me rappelle, on était dehors, à genoux sur les gravillons et les machins, et on restait pendant des heures à prier, écouter la radio, la mort du pape, que on s'en fout. Et ça donne envie d'être prêtre. Non, alors j'ai eu envie de devenir prêtre parce que, lui, il me recadre, parce que le prêtre allait à la chasse. Moi, je dis, je veux aller à la chasse, donc je vais devenir prêtre. Après, je suis rentré à Paris, à 9 ans, et puis là, ça a été le retrouver avec mon père, qu'on connaissait pas vraiment, vous savez. Et puis c'était pas un homme très affectueux, c'était un homme un peu sauvage. J'ai découvert avec le temps que lui, en fait, il avait vécu, et peut-être qu'il y a des anciens ici qu'on peut vivre ça, où c'était une période où on savait pas du tout exprimer l'affection. Et c'est pour ça qu'on peut retrouver des adultes aujourd'hui qui sont en manque d'affection, mais c'est dingue, quoi. Et l'affectivité, on a appris à le cadrer, à l'enfermer. Un soir, j'ai dîné avec une prostituée de luxe dans le 16e. Et puis, elle m'a dit que dans sa famille, elle était d'origine polonaise, quand on fait l'amour, on éteint la lumière. Et je dis ça en rigolant, ça cadre. Mais la sexualité, non. L'affectivité, mais encore moins. On n'en parle pas. Je me rappelle, elle voulait me faire boire du champagne parce que c'est... Mon père, je vous aime beaucoup, hein. Je dis, puis elle se rapprochait de plus en plus. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Tu veux pas prendre un peu tes distances, s'il te plaît? Je suis resté très affectueux, mais très... Parce qu'en fait, on sentait qu'il y avait... C'est pas parce qu'elle se prostitue qu'elle n'a pas besoin d'amour. Et en fait, c'était flagrant, quoi. Elle pleurait. Elle pleurait parce qu'il n'y a personne qui m'aime, en fait. Et puis, quand on est arrivé à Paris, donc là, c'était très difficile. Mon père s'était remarié, la belle-mère, on ne la connaissait pas. Elle était gentille, elle faisait son possible. Elle se retrouvait avec 4 gamins qui arrivent de la campagne, qui n'ont eu aucune éducation, plutôt, qui ont été bien dressés. Qui ont été dressés, mais qui n'ont pas été éduqués. Donc, on peut un peu en révolte dans le cœur, mais quand on est gamin, on ne se révolte pas. On s'écrase. Sauf que mon père était très autoritaire. Je dis toujours avec du recul, je pense que c'était pas si mal que ça qu'il soit autoritaire. Au moins, il était là. Mon père ne sortait jamais. Il travaillait à SNCF. Il était chauffeur. C'est l'époque où il y a les machines à vapeur, donc il mettait le charbon. Mais comme il gagnait deux fois rien, donc à part le boulot, il était à la maison. Ce qui était chiant pour nous, hein, je vous le dis. Hein. Parce que quand il était là, on pouvait rien faire, quoi. En fait, moi, j'ai commencé à voler. J'ai commencé à faire des conneries, mais voler. J'allais au magasin, je disais, vous mettez ça sur la note des parents. Puis avec l'argent, j'allais acheter des bonbons. Bon. Personne n'a fait pire ici. On viendrait me voir à la sortie. Mais oui, c'était con. Mais c'était des conneries qui s'accumulaient. Puis, comme mon père était un homme assez brutal, s'est mis à boire. Ma belle-mère s'est mis à boire. Donc, j'ai fait des fugues. On m'aurait demandé à l'époque pourquoi je faisais des fugues. C'est rien. J'avais qu'une envie, tout, mais pas être à la maison. C'était un lieu désécurisant. Un lieu sans amour est désécurisant. Et c'est pour ça qu'il y en a parmi nous qui peuvent en pâtir. Parce que j'ai vécu sans amour, quoi. Donc j'existe, je suis moi. Moi, c'est moi, toi, t'es toi. Mais pourquoi j'existe? Puisque personne m'aime. Et ça, ça a l'air de rien, mais ça déstructure une personnalité. Alors ça, je commence à déjà être dans la... Parce qu'à l'époque, on ne se pose pas la question.
Donc c'est les flics qui m'ont ramené. Une fois j'ai volé un scooter, je sais plus ce que j'avais volé. Enfin j'avais fait une connerie. Mon père m'a foutu un coup de poing dans la gueule. Mais je savais, j'avais le nez qui pissait, mais c'était un robinet quoi. Puis après il m'a mis un couteau sous la gorge, ou c'est avant, je m'en rappelle plus. Et puis moi je lui dis, non papa, fais pas le con. Non papa, fais pas le con. On n'emmène pas l'argent. Moi j'avais un rêve, c'était de devenir danseur. Prêtre à danseur. Non, je voulais être danseur. Prêtre, j'avais déjà oublié, c'était loin. Parce que j'allais au catéchisme et tout, mais vous savez, c'était des mamans catéchistes. Faut pas m'en vouloir s'il y en a parmi vous. Hein. Mais qu'est-ce qu'elles étaient connes. Fallait apprendre la leçon, quoi. Si vous appreniez la leçon, que t'es sage, mouche ton nez, dis bonjour à la dame, tiens-toi bien, alors c'est génial. Mais moi, j'étais pas comme ça, je pouvais pas être comme ça. Moi, c'était je te teste, est-ce que tu m'aimes, quoi. Ben, évidemment, je me suis fait foutre à la porte. Mais je ne l'ai pas dit aux parents. Donc le mercredi, au lieu d'aller au catéchisme, ben, j'allais dans la rue, j'allais me balader, j'allais faire les conneries avec les copains. Et puis voilà, j'ai été baptisé à Sainte-Thérèse. Mais ça, je l'ai su plus tard quand j'ai retrouvé ma mère à Nantes. Et j'ai même été béni par le pape Jean 23, quand il est venu à Nantes. Mais il était encore nonce apostolique. Ça, j'ai su après. Comme quoi, les bénédictions portent du fruit. Et puis, je vous dis l'effet marquant, une grande blessure dans ma vie, c'est le non-amour de mes parents. Ma deuxième mère, ma belle-mère est décédée à la suite d'une opération. Je n'ai jamais su ce qui s'était passé. Et je me suis retrouvé seul avec mon père. Là, c'était une période très dure, parce qu'il était saoul presque tout le temps. Et j'étais seul à la maison avec lui. Et voilà, soit il me frappait, soit... Moi, je passais mes week-ends au lieu de sortir. Parce que, en fait, les adultes avaient décidé que ce serait bien que je fasse un apprentissage de pâtissier. Donc, j'étais pâtissier pendant 3 ans. Ce n'est pas moi qui a choisi, donc ça n'a pas tenu. Mais quand même, donc je me levais tôt le matin, je rentrais pas très tard l'après-midi, parce que je travaillais de 5h à 15h ou 16h, quoi. Et mon père n'était pas à la maison, et ça, c'était super. Mais quand il était à la maison, il dégueulassait tout, il vidait le frigo par terre, puis il me dit, maintenant, tu nettoies. Donc, s'il y en a qui ont besoin des cours, je sais coudre, je sais repasser, je sais laver le linge, je sais faire le ménage, je sais faire les pot-au-feu à l'ancienne. Mais j'ai oublié, hein. Je crois que j'ai tout oublié. Et puis, bon, ça, c'était... Voilà. Et puis, il a fallu que je prenne une grande décision dans ma vie. C'est que je voyais, je commençais à mal tourner, quoi. Les flics me ramenaient à la maison. Je faisais des fugues. Je volais pour pouvoir partir en vacances. Il me fallait de l'argent. Mon père ne m'en donnait pas. Mon père ne me donnait jamais d'argent. Donc, l'argent, il faut bien le trouver. J'allais à la fête foraine avec les copains. Alors, tu vois les gens qui sont là, qui sortent les billets. Puis toi, tu n'as rien. Donc, tu fais quoi? Bah, tu fais du pickpocket, tu voles dans les caves, tu démerdes, quoi. Il faut arriver à avoir quelque chose. Mais ça veut dire que vous aviez quand même une idée du bien et du mal. Vous commenciez à mal tourner, vous aviez pris conscience. Oui, j'ai quand même été chez les curés et les bonnes sœurs. Ah oui, donc il y avait quand même des traces d'éducation. De dressage. De dressage. Mais ça marque dans la tête quand même. Puis je crois qu'on a tous... C'était peut-être pas la même mentalité qu'aujourd'hui. Il y avait quand même... Et votre père avait un souci de vous inculquer les règles. À coup de baffe. Ah ça oui. Mais c'était, je vous assure, des fois, je me rappelle une fois où il me courait après. Je crois que j'avais été assez vulgaire avec lui. Mais il le méritait. Et on courait autour de la table, dans la salle à manger, puis j'avais repéré que la porte de la salle à manger était restée ouverte. Donc j'ai tourné, j'ai pris l'élan, quoi. J'ai tourné, puis hop, je suis sorti et j'ai tiré la porte derrière moi. Il s'est ramassé la gueule dans la porte et je suis parti. Mais pendant 2 jours, j'ai quitté la maison. Et aller où? Coucher dehors? C'est ce qu'on appelle chez nous un gamin insupportable. Hein. Non, c'est lui qui était insupportable. Donc ça quand même... Et puis voilà, la grande décision de ma vie, c'est il faut que j'arrête, il faut que je quitte mes copains. Et ça, ça a été difficile. Vous savez, quand Guy Gilbert le dit, pour les gens, les loubards, les petits loubards dans les banlieues et tout, c'est toujours, parce que c'est mon milieu. C'était mes copains, c'était mes copines. Et quand il faut se séparer de son milieu, ça, c'est un moment très difficile. Mais je crois que la Sainte Vierge, je m'avais déjà mis la main sur moi, sans que j'en ai conscience. Et pendant 3 mois, je suis resté chez moi. Je pleurais, je faisais le ménage. Je ne sortais pas. Je sais qu'il ne fallait pas que je sorte. Ça, c'était un moment difficile.
Et puis, j'ai rencontré, je ne sais plus trop comment. Tu veux une chaise, Rémi? Je sais comment l'intimider. Et puis là, ça a été un moment très important pour moi parce que j'ai pu réaliser mon rêve, j'ai pu danser. Mais je ne dansais pas dans un machin de je ne sais pas quoi. Là. J'allais en boîte de nuit. Donc je pouvais draguer, bien que j'étais un peu timide quand même. Je pouvais danser, je m'éclatais en dansant. Fernand s'en rappellera peut-être, je passais des nuits blanches. Puis le lendemain, au lieu d'arriver au boulot à 7h30, j'arrivais à 8h, 8h30. Mais Fernand, c'est lui qui pointait à ma place. Et enfin, je ne sais plus très bien comment ça se passait. Mais... Et puis ça a été... Oui, c'est tellement moins important, c'est que, en fait, j'ai quitté la pâtisserie après mon apprentissage. J'ai travaillé chez un patron, mais là, très vite, je me suis débrouillé pour qu'il me foute à la porte. Et j'ai cherché du boulot. J'ai traversé Paris plusieurs fois à pied, parce que mon père ne me donnait pas d'argent. Faire la Manche, ce n'était pas toujours évident. Une fois, j'ai fait la Manche dans le 16e, là, à Passy. J'étais parti à pied, mais pour revenir, je n'avais vraiment pas le courage. Puis, en fait, j'étais content, parce que j'avais trouvé du boulot. Donc je fais la Manche et évidemment tous les gens me disent « Pourquoi vous faites la Manche? Vous n'avez pas honte? Vous avez des réflexions désagréables ?» Et puis il y a un monsieur qui s'arrête, qui me dit « Mais alors, qu'est-ce qui vous arrive ?» Mais avec un regard sympathique. Donc je lui explique « Mon père ne veut pas me donner d'argent, donc je ne peux pas acheter de ticket de métro. Mais par contre, je viens de trouver du boulot. » Je suis « Ah bon ?» Et je me rappelle, le type a discuté avec moi. Et il m'a donné un ticket de métro, première classe. À votre avis? Je suis monté en deuxième. Je ne peux pas monter en première, moi. Mais ça m'a marqué. Qu'est-ce qui m'a marqué? C'est le fait que ce type, il a pris le temps de parler avec moi. Il ne m'a pas jugé sur les apparences. Première rencontre importante. Et puis après, j'ai commencé à bosser. Et c'est là où j'ai rencontré Fernand. Moi, qui me parlait du bon Dieu. J'avais les cheveux longs, j'allais en boîte de nuit, je m'étais cassé de chez moi. J'habitais au début chez des copains ou des copines. Puis après j'ai pu louer un appartement avec mon frère aîné. Là, c'était la fiesta tous les soirs. Oh, pas méchant, j'ai découvert la musique, on invitait les copains et les copines. Il n'y avait rien de... Et puis, bon, voilà, la grande question pour moi, c'était qu'est-ce que je vais faire de... Je vais me marier, métro, boulot, dodo. Je vais recommencer la même chose que les autres. Puis c'est quoi le sens de ma vie? Puis Fernand qui me prenait la tête avec son Jésus. Et moi, je disais, fous-moi la paix, mais en même temps, je tendais l'oreille. Et puis, voilà, il y a des questions qui ont commencé à se poser. Et puis je voulais me stabiliser, donc j'avais rencontré une copine, puis après une autre, mais c'était pas génial, quoi. Et je voyais pas très bien ce qu'il fallait que je fasse. Mais il y a une chose qui m'a marqué, Fernand, s'il veut bien, il pourra faire un petit témoignage après, c'est découvrir des chrétiens, découvrir des chrétiens qui était respectueux. Je ne me rappelle pas que Fernand m'ait dit « Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ?» Mais il m'a dit « Tiens, je peux t'inviter à manger à midi ?» Parce que comme moi, je ne gagnais pas beaucoup d'argent, il fallait que je paye le loyer, mais il y avait des jours où je ne pouvais pas manger, parce que je n'avais plus d'argent. Donc je volais. C'est vrai que je volais, mais je volais uniquement de quoi manger. Du lait, du pain, du riz, des nouilles. Avec mon frère, on se levait très tôt. Vous savez, si vous allez devant le magasin, là, bien qu'il soit livré un peu plus tard, les fournisseurs mettaient les trucs dehors avec du cellophane, mais bon, ça se coupe quand même. Mais je ne me considérais pas comme voleur parce que j'avais faim. Et est-ce que tu tiens, j'ai récupéré un matelas, est-ce que ça t'intéresse? Bah oui, le mien était tout pourri. Mon père ne voulait pas me donner un lit, alors qu'il y avait des lits à la maison qui ne servaient à rien du tout. Mais je te le vends 50 euros. Excusez-moi le langage, mais je me dis, tu peux te le coller quelque part, ton lit. Et puis voilà. Donc j'ai découvert surtout une chose qui m'a marqué. C'est de découvrir des gens heureux. Les premiers seront les derniers. Non, les derniers seront les premiers. Donc ça, excusez-moi. Mais ça, c'est super important. Découvrir des gens heureux. Chrétien, oui, peut-être que je m'en rappelle pas. Fernand s'en rappelle sûrement mieux que moi. Mais c'était surtout ça qui m'a marqué. Des gens heureux, des gens qui aiment gratuitement, des gens qui ne demandent pas, ils ne rentrent pas dans ta vie, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Et pourquoi tu as fait ceci? Et t'es qui? Et tu viens d'où? Et tu fais quoi? Vous savez qu'ici, même, ça m'est arrivé qu'il y a des gens qui m'ont dit « Mais moi, je ne vais pas aux réunions.
Parce que la première chose qu'on te donne, tu t'appelles comment ? Qu'est-ce que tu fais comme boulot ? T'habites où ? Et tu fais quoi ? Donc ça les regarde pas, donc j'y vais pas. Ça, faut vraiment que ça. Je fais une petite parenthèse, mais c'est vraiment un truc qu'il faut travailler. Il ne faut jamais demander aux gens. Et qu'est-ce que tu fais, toi ? Et tu es originaire d'où ? Et tu fais quoi ? Et t'es où ? Et c'est qui tes amis ? Tout de suite, les gens sont tac. Donc le pauvre type ou la pauvre nana qui a plus de boulot, qui vit une galère, elle ferme sa gueule et elle s'en va. Ferme sa bouche et elle s'en va. Je ferme la parenthèse. Après, ça a été pour moi la grande étape, ça a été de découvrir la messe. Fernand, mais il était, mais vous, vous imaginez pas, c'était un futé. Hein. Il n'est pas normand pour rien. Il a réussi à m'emmener à la messe. Puis moi, j'ai commencé à y prendre goût. Et puis, et de la messe, j'ai découvert peut-être la prière d'abord, je m'en ai plus. Mais j'aimais aller prier, bien que je ne savais pas prier. Le Saint-Sacrement à Montmartre. Et puis, j'ai découvert l'Eucharistie. Comment on prend goût à la messe ? Vous avez dit, vous êtes passé très vite. J'ai pris goût. Même j'y reviendrai peut-être. Avant. Parce que je vais finir l'itinéraire. Non, mais t'as raison. Et c'est surtout parce que la manière dont on me parlait de l'Eucharistie, j'ai compris que j'avais besoin de Jésus. Quoi. Mais pas, par l'Eucharistie, j'ai découvert le sacrement de pénitence. Mais je ne serais pas allé à l'Eucharistie si on m'avait dit, tu dois d'abord aller te confesser. Parce que ça, c'est le côté plus un peu légal, moral. Il faut que tu te mettes en règle pour aller à l'Eucharistie. Mais Jésus, il est malin. Si tu viens à l'Eucharistie, puis au bout d'un moment, il te dit dans ton cœur, ce serait bien que tu fasses le ménage quand même. Si tu m'invites chez toi, ce serait bien que tu fasses un peu la vaisselle, tu laves ton linge, que tu prennes une douche. Donc il fallait prendre la douche spirituelle. Et j'ai eu la chance de tomber sur des prêtres qui étaient bons. Alors à Montmartre, quand même, il y avait une histoire qui se racontait. Je crois que je la tiens de Fernand d'ailleurs. Parce que moi, je pourrais la raconter, je pourrais la mettre à mon compte presque. Parce que c'était un type qui est très très vulgaire. Et moi, quand je travaillais en usine, je vivais avec les copains dans la rue, j'étais un peu vulgaire. Aujourd'hui, je me lâche quelques fois, mais je m'en retiens beaucoup, vous savez. Et alors, il y a un type qui va se confesser à Montmartre, et puis le prêtre, il dit bon, parce qu'il est très vulgaire. Mais quand même, il est chrétien, et il veut progresser. Le prêtre dit bon, allez, est-ce que pendant quelques heures, vous pouvez ne pas dire de gros mots ? Ah, il dit, bah oui, je vais quand même. Je vais prier, puis je vais y arriver quand même. Prêtre, il dit, bon, d'accord, alors ce sera votre pénitence, vous allez faire une prière. Hein. Donc le type, il reçoit la solution, il va, c'était à Montmartre, il va prier devant sa sacrement un petit moment, il fait sa pénitence, il sort de Montmartre, et il loupe la marche. Merde ! Oh, merde ! Oh, puis merde ! Et on est tous un peu comme ça. Mais c'est le côté légaliste, nous, qui nous arrête. Et moi, Jésus, il m'a eu, comme il a beaucoup de personnes, je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui pourraient en témoigner, ils ont d'abord découvert Jésus. Et parce qu'ils ont rencontré Jésus et qu'ils ont progressé dans leur amitié avec lui, moi c'était par l'Eucharistie et la prière, puis mes amitiés nouveaux qui naissaient, j'ai découvert qu'il fallait que j'aille me confesser. Mais il faut du courage pour aller se confesser quand même. Surtout quand on a vécu au milieu de gens qui sont très moralisateurs. Parce que du coup, on ne se confesse pas du péché qu'on a commis, on a tendance à se confesser de la honte que les autres nous ont donnée. Ou du regard culpabilisateur que les autres ont collé sur nous. Et là, on se plante complètement. Parce que du coup, je ne me confesse pas. J'essaye de me débarrasser de la honte et de la culpabilité. Mais Jésus, est-ce que je t'aime ? J'en sais rien. Est-ce que tu veux bien seulement me donner ton pardon ? Parce qu'au moins, pendant quelques heures, j'aurai un moment de répit. Je vais pouvoir souffler, je ne serai plus dans la culpabilité, dans la honte. Moi, je le comprends maintenant comme ça. Hein. Alors surtout, ne vivez jamais du sacrement de pénitence à ce niveau-là, parce que vous êtes foutus. Puis vous allez le transmettre aux autres, et les autres, ils vont se casser. Hein. Ou alors, vous voyez, les confessions de carême, quoi. Nanana, j'ai vécu ça, moi. Quand j'allais confesser au Carmel de Saint-Sevé, et le curé qui m'invitait pendant une semaine, on passait de 9h à midi dans le confessionnal et de 14h à 18h. Et le soir, de 21h, de 20h30 à 22h30. Et mais c'était les confessions, mais c'était dingue. Nanana. Puis père, j'ai péché contre le 4e commandement. Ah, moi, je faisais exprès. Oh, c'est pas vrai. Mais vous pouvez me rappeler ce que c'était que le 4e. Ah ben, mon père, quand même. C'est... Non, mais moi, vous savez, je connais pas tout par cœur. Hein. Après, ça a été un appel à la vocation en allant à Lisieux. Parce que là, il faut que j'aille vite, ça passe. En allant à Lisieux.
Fernand m'avait envoyé avec un petit pèlerinage des mamies, vous savez, c'était le chapelet mitraillette. Je vous salue Marie, pleine de grâce, Seigneur, avec vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, les fruits de vos entrailles est béni. On faisait un concours à celui qui irait le plus vite, vous savez, sans respirer. Hein. Ah, ça a été, mais c'était le délire. J'en pouvais plus, moi. Je crois que j'aurais pu sauter par la fenêtre, j'aurais sauté par la fenêtre. Mais comme je n'osais pas dire les choses, je me mettais dans mon coin et puis. Et arrivé à Lisieux, je me suis cassé du machin, puis on repart à quelle heure, et hop, je me casse. Sauf pour manger, le repas est à quelle heure. Et puis je suis allé dans la chambre de la petite Thérèse, et là j'ai senti dans mon cœur le désir de devenir prêtre. Mais j'en ai parlé à personne, parce que je ne pouvais pas y croire. Je n'ai pas fait d'études, je suis une famille ouvrière, je suis un délinquant, je ne suis qu'un bon à rien, on m'a toujours dit que j'étais un bon à rien. Tu comprends rien, tu comprendras jamais rien, t'es nul. Dites jamais ça à vos enfants, parce que ça tue. Est-ce que le père Alexis, le père, notre père charismatique, là, Marie-Angèle, dit les comment, les... Ah, mais s'il a une manière de dire, ça va me revenir. Après, je suis allé faire des retraites. Pendant mon service militaire, j'ai commencé à lire. Alors là, Fernand, il en a profité à fond la caisse. Il m'a donné des bouquins, des témoignages et des machins. Et puis évidemment, moi, je commençais à lire. Je ne lisais jamais avant. J'avais lu un ou deux romans, mais pff, je ne suis pas d'une famille où on lit, on n'est pas des intellos. Mon père, il lisait des BD et le journal, l'Humanité. Et puis c'est tout. Donc je ne savais pas lire. Et là, j'ai commencé à lire, c'était vivant, c'était des beaux témoignages. Et puis j'ai commencé à prier. Et puis à l'armée, il y avait un garçon qui était chrétien, convaincu, et qui avait organisé un petit groupe de prière. Et moi, j'y allais, mais je me mettais au fond parce que j'avais un peu honte. Mais bon, ça m'a aidé à progresser. Et puis je suis allé faire une retraite, plusieurs retraites à Châteauneuf-de-Galore, jusqu'au jour où j'ai pu rencontrer Marthe Robin. Et entre-temps, si j'avais été à Ars. Et vraiment, je m'en rappelle encore. Hein. Je suis allé le soir, Fernand m'avait dit qu'il faut les prier auprès de la chasse, là, en revenant de Châteauneuf, donc je m'arrête. Il était tard, mais je m'en fous. Et je vais prier devant la chasse du curé d'Arche, je me fais ma petite place. Et puis là, pouf, encore le désir de devenir prêtre. Mais ça devenait une tristesse chez moi. J'en parlais à personne, parce que c'est même pas la peine. Même pas à Fernand. Même pas à Fernand, non. Et après, c'est venu après. Mais... Et en fait, ce qui a déclenché, c'est que je suis allé dans la chambre de Marthe. Ben, j'avais confiance en personne. Il me fallait du temps pour faire confiance à quelqu'un. Pourtant, Fernand était très présent. Il était... Ouais, mais... Je lui disais des choses, mais je ne disais pas tout. C'est normal. Vous savez, j'ai été... Ah si, il y a quand même une étape très importante. C'est qu'à 12 ans, j'avais rencontré un monsieur qui était très gentil avec moi. On était deux ou trois copains. Et on allait sur son lieu de travail. Il nous emmenait dans une voiture. Et un jour, il a abusé de moi. Donc il m'a violé, quoi. Il m'a emmené chez lui. Vous savez, j'avais 12 ans, 13 ans. On ne comprend pas très bien ce qui se passe. Vous m'auriez dit, il t'a violé, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Et puis, je n'ai jamais rien dit à personne. Parce que dans ma tête, c'est moi qui aurais été puni. C'est évident. Parce que mon père m'aurait encore foutu une raclée. Donc, j'ai rien dit. Il a fallu du temps pour... Et là, c'est l'étape, mais je terminerai peut-être par ça pour pouvoir le temps. Et en fait, donc après, j'ai pu en parler. Marthe Robin m'a dit, mais vous n'avez jamais pensé à devenir prêtre? J'ai dit, si, Marthe, mais j'ai jamais fait d'études, je suis couvrier... Il me dit, ah bon, peut-être que Jésus vous appelle pour autre chose. Et c'est en sortant de la chambre de Marthe que je crois que je le raconte dans le livre, où là je me suis dit, mais je suis bête. Si Jésus le veut, ça se fera. Et ça a été une libération en moi, hein. Vraiment une libération. J'étais heureux. Je crois que c'est la première fois que j'étais aussi heureux. Et ça, je crois que c'est très important pour moi. J'en prends conscience petit à petit, et le livre m'a aidé à le réaliser. C'est qu'en fait, j'ai eu une enfance, comme beaucoup, peut-être, hein, où j'ai jamais été heureux. Ne me demandez pas ce que je retiens, un moment heureux de mon enfance. Un psychologue m'a demandé, une amie coaching m'a demandé. J'ai dit, écoutez, je vous promets, je vais y réfléchir. J'en connais pas, je m'en rappelle pas. Je me rappelle tous les moments où j'ai pleuré, j'étais fragile des dents, mais comme dans ma famille on était pauvres, on ne se faisait pas soigner des dents, donc c'était des nuits à pleurer, comme ça, puis je me faisais engueuler parce que je pleurais en plus. C'était les moments où on te rejette, les moments où on se fout de ta gueule. La maison de correction était un moment très dur pour moi.
Et voilà. Je vous dis pas ça pour parler de moi. C'est parce que j'ai pu le dépasser. Et ce qui m'a aidé, c'est qu'il y a 10 ans, sur les conseils de mon père spirituel, je suis allé voir un médecin et qui m'a dit mais qu'est-ce qui vous est arrivé quand vous étiez jeune ? Mais rien. Dans ma vie, je lui ai dit oh, qu'est-ce que tu veux, toi ? Je t'ai rien demandé, moi, je t'en pose des questions. Je savais très bien ce qu'il voulait me demander. Mais il me dit mais si, vous arrivez, on n'a pas abusé de vous quand vous étiez jeune ? Il m'a même dit à l'âge merci. Hein. J'ai dit, oui, je crois que j'avais 12 ans. Il dit, non, vous aviez 13 ans. Je dis, non, gros, c'est moi qui y étais. Mais bon, c'est pas ça qui est important. Et puis, je lui dis surtout, et ça a été une de mes découvertes, c'est le pardon. Il me dit, oui, vous avez pardonné, mais votre corps n'a pas oublié. Putain, j'avais pas... pardon. J'avais pas pensé à ça. Mais je vous assure, j'avais pas pensé à moi, à ça. Et ça me permet de comprendre... Vous voyez, l'apostolat que je fais aujourd'hui auprès des toxicos, enfin beaucoup moins maintenant, mais quand même, ça, déjà je le sentais. Mais auprès des gens qui vivent une situation de prostituée, il y a moi et il y a mon corps. Ou il y a certaines parties de mon corps. C'est là, elles sont... Ça y est, c'est bon, j'ai fait la paix avec ça. Et c'est pas vrai, c'est pas vrai. J'ai pas fait la paix. Parce que la souffrance, elle est encore là. Elle me... Je suis sécoin, comme on dit. Je suis coincé, quoi, à un endroit. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a quelque chose en moi qui ne vit pas. Et en fait, ça a été une libération pour moi. Ça a pris du temps, ça prend encore du temps. Mais aussi, ça m'a fait comprendre que je n'avais pas à avoir peur de mon corps, je n'avais pas à avoir honte de mon corps, et je n'avais pas à avoir honte de celui des autres. Oh, j'ai fait des conneries, hein. Je suis allé quelquefois trop loin au niveau affectif. Mais je préfère ça que des gens qui sont coincés, hein, qui sont complètement inaccessibles. Il n'y a aucun amour qui passe dans leur regard, dans leur geste. Vous savez que j'ai reçu des lettres anonymes ici. Je ne dirais pas que c'est parce que c'était anonyme en plus. Mais parce que mon père décrivait soit à mon évêque, soit à mon supérieur. Mon père, vous vous rendez compte, il y a un prêtre chez vous, le père Jean-Philippe qui fait la bise aux dames. Vous vous rendez compte, c'est scandaleux. Mais je la comprends en même temps, la pauvre. Mais qui c'est qui est la plus malheureuse, c'est elle ou c'est moi ? Vous voyez ce que je veux dire si on essaye de mieux comprendre ? Enfin, vous savez que j'aime faire la bisonade parce que j'ai besoin de ma dose affective. Mais on n'a pas tous besoin de ça. Il y a une manière de manifester l'amour et je crois qu'aujourd'hui on est obligé. On est coincé. Pourquoi ? Parce que nos enfants, ils ne savent plus. Ils passent de l'affectif au sexuel. Et quel sexuel ? Ils font n'importe quoi. Et vous ne pouvez rien dire. Vous n'avez rien à leur dire. Au niveau moral, ils ne vous écouteront pas. Et vous n'avez pas à leur faire la morale. Au niveau sexuel, on n'y connaît rien. Non. Ben vous pourriez réagir comme merde. Mais c'est pas ce que je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire. Il y a quelque chose où on est un peu coincé. On n'a pas de discours. À part parler de l'amour. Et moi, c'est ce qui m'a beaucoup touché. Fernand m'a emmené à assister à des conférences où j'entendais parler de l'amour. Mais jamais on m'avait parlé de l'amour comme ça, du mariage, de la femme, de la vocation de l'homme, la manière d'aimer. Mais jamais on m'avait parlé comme ça. Et je me sentais attiré vers ça. Mais c'est pas parce que je suis attiré que du jour au lendemain, garde à vous, ça y est, je suis un bon cateau. Que dalle, oui. Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché jette la première pierre aux autres. Ben, on est foutu. Alors soit on le reconnaît objectivement, et du coup on devient des êtres aimants, acceptant que l'amour me rend fragile. Moi, j'ai accepté que l'amour me rende fragile. J'en ai pris plein la gueule, j'ai pleuré plus d'une fois. Les toxicos qui m'ont fait pleurer. Mais c'est mes meilleurs amis aujourd'hui. Quand ils sont dans la merde, qui c'est qu'ils appellent ? Padre, je peux te prendre un moment, est-ce que tu peux venir à Toulouse ? Ou l'autre, il habite à... Tu peux venir à Genève ? J'ai vraiment besoin de toi. Est-ce que tu peux t'occuper de mes enfants ? Parce que c'est la galère. Et pourtant, c'est eux qui m'en ont foutu plein la gueule. L'amour rend vulnérable, mais elle ne nous ferme pas. Un amour orgueilleux, c'est un amour qui ne veut pas souffrir et qui a, vous savez, moi l'amour, je sais déjà comment ce sera. Ce sera comme ça, ce sera comme ça. Ma femme, mes enfants, mon mari, mes vacances, mon machin, et tout est bien cadré. Et dès qu'il y a des gens qui viennent faire tomber, vous savez, les trompettes de Jéricho, vous connaissez ? Tout, et pff, tout s'écroule. Là, on est dans la merde. Non, parce qu'on peut encore aimer. Et tant qu'on aime, il y a de l'espérance. Tout se construira. Ce matin, en partant à la prison, j'écoutais Radio Notre-Dame et il y avait les chrétiens persécutés de je ne sais plus quel pays qui aujourd'hui... Mais c'est magnifique. Quel courage, ils ont. Ah oui,
quelquefois il faut vivre des grandes épreuves pour pouvoir se, non seulement se tourner vers Dieu, mais vivre de la charité fraternelle. Et c'est ce que j'essaie de, avec tous ceux qui m'aident aujourd'hui, je m'excuse de parler de moi, mais j'oublie des choses, mais avec tous ceux qui m'aident pour Magdalena, et c'est pour ça que la devise, ça va, je suis là. Non, ça va, c'est bon. C'est pour ça que la devise de Magdalena, c'est la petite Bernadette qui dit, en parlant de la dame, je crois qu'elle n'avait pas encore vu la Sainte Vierge, elle ne savait pas encore que c'était la Sainte Vierge, elle dit, elle m'a regardé comme on regarde une personne. Ne croyez pas que c'est ça qui est important aujourd'hui, qu'elle soit prostituée, prisonnier, malade, vulgaire, désagréable, elle pue. Venez faire un tour au mercredi du cœur. Mais dès que vous avez accepté d'être un peu vulnérable, Claude va vous envoyer promener. Pourquoi ? Parce que vous êtes dans une relation d'aide au lieu d'être dans une relation de personne à personne. Moi, je veux me rendre utile. C'est ce que je dis souvent, s'il n'y avait pas les pauvres, vous feriez quoi ? Donc n'oubliez pas de remercier les pauvres d'être là, et finalement de remercier Jésus, parce que le premier pauvre c'est lui. Et puis de demander cette grâce à Jésus de me garder pauvre, vulnérable, on est capable de souffrir quoi. Mais c'est pour la bonne cause, c'est pour les mener à Jésus, leur faire découvrir que Jésus les aime. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça Magdalena, c'est pas « Ah oh, Magdalena, on va dans le bois de Boulogne, ah oh, Magdalena, on accueille 100 personnes au mercredi du cœur, ah oh, Magdalena, on va… » Oh là là, c'est beau ce que vous faites, si vous saviez comment on se sent pauvre. Oui, au début c'est super. Hein. On peut dire aux copains et aux copines « Moi je vais dans le bois de Boulogne. Hein. » Il y a un paroissien un jour qui m'a dit « Mon père, je vous ai vu dans le bois de Boulogne. » Je dis « Ah bon, qu'est-ce que vous foutiez dans le bois de Boulogne ?» Et ça, c'est ce que devrait... C'est Magdalena. Mais Magdalena devrait y avoir dans toutes les paroisses. On accueille les pauvres, quoi. Non pas, on s'occupe des pauvres. Quelquefois, il faut le faire. Mais la priorité pour moi, c'est d'aimer le pauvre. Et lui dire, cette paroisse, c'est ma paroisse. Mais c'est la tienne. C'est Jésus qui t'attend. Alors, te mets peut-être pas trop proche de moi, parce que t'as pas pris de douche, maintenant. On n'est peut-être pas obligé. On s'habitue à l'odeur, hein, je vous le promets. On s'habitue au langage vulgaire de l'autre. Moi, Fernand, s'il voudra bien dire un petit mot, j'étais très vulgaire. Mais qu'est-ce que ça peut foutre? C'est pas ça qui est important. Ah, mon père, quand même, vous êtes un peu vulgaire. Ouais, on n'habite pas le même quartier, on n'a pas les mêmes valeurs, mais on a le même amour pour Jésus. Autrement, vous savez, on reste cantonné dans nos... Alors c'est vrai qu'on a tous besoin d'un lieu où, qui est mon cubage d'air, quoi. C'est mon lieu où je respire un peu. Quand je vais dans le bois de Boulogne... Il faut un petit temps d'adaptation, voilà, on n'est plus à la paroisse Sainte-Cécile, on n'est plus dans notre petite communauté ou notre vie familiale. Mais on est avec des gens qui... Mais ils crèvent d'amour. Est-ce que tu m'aimes? À travers quand ils gueulent, quand ils nous emmerdent, quand ils nous engueulent, quand ils chantent, c'est ce que vous nous aimez, quoi, en fait, derrière. Et ça, tous ceux qui tournent, même ceux qui font les nuits du cœur, les mercredis du cœur, c'est pareil, quoi. Il y en a qui sont vraiment chiants, hein. Mais il faut savoir les prendre, il faut être patient. Quelquefois, il faut être un peu ferme ou dur. Mais derrière, c'est est-ce que tu m'aimes, quoi ? Est-ce que tu es capable de m'accepter ? Parce que j'en ai besoin, moi aussi. Est-ce qu'on peut demander à Fernand de dire un petit mot ? Oui, non. Je connaissais ce Philippe, je l'ai vu arriver chez Peugeot, parce qu'il avait 17 ans, avec ses grands cheveux, très longs. Et ce qui était bien, c'est que j'avais un grand peigne depuis des... 35 cm, une grande. Il a ce côté amusant, quoi. Mais, comment dire. Je sais que, au début qu'il a commencé à s'intéresser à la foi, je lui avais dit un jour tu me dépasseras. Il m'a répondu je crois, tu parles. Je crois que tu parles plus que moi, facilement. J'ai moins de facilité, parce que depuis mon AVC, j'ai perdu un peu de moyens, quoi. De toute façon. Mais, comment dirais-je, ce que je voudrais dire surtout, c'est que j'avais vu Martin Robert un jour, au cours d'une retraite, et puis je lui avais dit, je me retrouve toujours sale. Parce que j'avais un premier garçon qui m'avait suivi comme ça, et qui était emmené à une retraite, et qui est devenu un chrétien fervent, quoi. Ma mère qui sortait était issue du genre du voyage. Et je ne sais pas expliquer ce que je voulais dire, mais j'ai compris que je voulais dire que j'avais été seul dans l'usine. En tant que militant catholique, ce garçon est mort et il est mort comme de façon extraordinaire. Il y a une infirmière qui était religieuse qui sanglotait en voyant mourir.
Et toujours est-il qu'après avoir dit à Marianne Pompidou, je suis parti, et puis j'étais, parce que j'allais souvent, presque tous les ans, tous les deux ans, j'étais peut-être trois ans sans retourner à Châtelet-la-Foy, je me retraite. Et quand je retournais la voir, à peine arrivé dans sa chambre, je me dis, ah vous voilà, qu'est-ce que vous devenez, vous ne voyez plus. Et ça, je trouve ça formidable que trois ans après, oui. Et après la discussion, elle l'avait laissé trois ans avant. Oui. Et puis elle me dit, vous êtes toujours seule? Et je dis, ah oui, oui. Puis elle insiste, alors, c'est-à-dire que je viens jeune avec moi, qui a des bonnes réactions. Mais quel genre de réaction? Je lui pas... dis, vous avez été le seul avec moi à réagir contre des images pour nous, quoi. Quel genre d'image? Là, c'est là que je ne voulais pas présenter. Je dis, oui, ben, il n'y a pas qui animalise. Je dis, précisément, oui, quel animal? À ce moment-là, que je... toute une discussion là-dessus. Et puis, comme elle insistait pour me parler de ce garçon, je dis, oh, il y a un jeune comme ça qui est venu ici. Je dis, ben, il pourrait être venu ici, pourquoi pas? Il dit oui, pourquoi pas. Et c'est là que j'ai répété ça à Philippe, à Jean-Philippe. Je lui ai dit que Marc m'avait dit ça. Pendant un an, je l'ai préparé, je lui ai fait désirer cette retraite, tout ça. Et puis, il est donc allé un an après, quand il était militaire, je l'ai envoyé là-bas. Puis il y a un petit détail, une petite anecdote. À un moment donné, je lui avais dit quand il ira là-bas, tu seras tenté de faire demi-tour. Je ne voulais pas lui dire ça, parce que je voulais lui dire ça pour qu'il ne sache pas pourquoi. Et toujours est-il, quand il est revenu de la retraite, il m'a dit à un moment donné, je devais changer de train pour aller sur Châteauneuf, à Lyon. Puis je vois un train qui est monté sur Paris, ils m'ont prêté à monter dedans. Je me suis rappelé que tu m'avais dit ça. c'est le détail qui monte, c'est un signe quand même, qui signifie quelque chose. Et vous l'avez poussé à devenir prêtre, vous lui avez donné l'idée, ou c'est lui qui l'a eu tout seul et qui vous en a parlé? Il ne me le disait pas, mais. Un jour, il est revenu d'une retraite, et puis au téléphone, il m'appelle, il était à l'arc, il est handicapé, là, à ce moment-là. Et il me téléphone, il dit, il faut que je te voie. Je dis, tu ne peux pas me voir tout de suite. Mais attends, je ferme la porte, il porte déjà d'entendre. Il me dit, voilà, Marc, au bout d'un moment, il m'a posé la question. Et je lui ai répondu, ce que je sais, c'est que Marc ne parle jamais à la légère. Si elle a dit ça, il faut y réfléchir. Et on a cherché ensemble. J'ai téléphoné mon père Marino, qu'au début un premier prêtre m'a pas envoyé promener, tout ça, je tenais, j'ai assisté. Quoi. C'est là qu'il était en relation avec Marino Minicuni. Et là on arrive au cœur du sujet. Voilà, donc là on va le laisser parler de Marie-Dominique. Okay. Vous reprenez le micro. Merci, Fernand. Donc ma rencontre avec le père Marie-Dominique Philippe a été très importante. Mais elle a quand même été préparée par les retraites à Châteauneuf, par des conférences avec le Marcel Clément. Parce que, en fait, restant marqué par mon passé, on m'a toujours dit « t'es bête, tu feras jamais rien, t'es nul ». Passer directement au cours du père Marido, ça aurait peut-être été difficile. Mais il y a deux choses qui m'ont marqué chez le père Marido. C'est qu'en fait, à l'époque, on allait à Montmartre aussi. On travaillait avec des prêtres, on faisait l'accueil à la basilique de Montmartre. J'ai rencontré Jean Vanier, avec qui j'avais une grande admiration, toute une petite équipe, des gens qui étaient quand même intelligents, des conférences qui m'intéressaient. Mais j'ai toujours, peut-être que mon Dieu préparait son coup, mais en fait, tous les prêtres avec qui j'ai suivi des conférences, des petites conférences ce soir, comme ça, c'était sympa, mais... Peut-être parce que je compare aujourd'hui, mais enfin à l'époque. Et puis un jour, j'ai rencontré le père Marido. Je ne sais plus, c'était une conférence des AFC, peut-être, ou à Châteauneuf, je ne me rappelle plus ce qui était en premier. Mais je sais ce qui m'a marqué, c'est ce qu'il appelle aujourd'hui les trois sagesses. Vous savez, il écrit un bouquin qui s'appelle Les trois sagesses, que je vous recommande. C'est une interview, en fait. C'est un frère qui le fait parler, parce que le père ne voulait pas écrire. Il dit l'écriture pour les gens, c'est figé, puis après, ils ne réfléchissent plus. Et en fait, ce qui m'a marqué, c'est qu'il a ouvert mon intelligence sans que je m'en rende compte, mais a permis de comprendre que je n'étais pas aussi bête que j'en avais l'air. Et puis surtout qu'il y avait une unité entre la personne, le théologien, aujourd'hui c'est un grand mot, mais l'homme qui parlait de Dieu, et puis l'homme qui aimait Dieu. Hein, et ça, c'était quelque chose que j'ai... Je le dis avec des mots aujourd'hui, mais à l'époque, je ne pouvais pas le dire avec des mots. Mais j'ai senti ça tout de suite. Et puis un jour, j'ai fait une session d'un week-end avec les AFC dans Paris. Je crois que Fernand était là. Je ne sais plus si c'était là. C'était sur la Vierge Marie. C'était chiant quand on nous parlait de la Sainte Vierge. C'était très dévotion.
Bon, il y avait quelquefois des prêtres qui faisaient des belles choses, mais là, j'ai eu une session avec le père Marido. Ah, mais j'étais scotché. Mais je vous promets, j'étais scotché dans ma tête, dans mon cœur et par rapport à Dieu. C'est la première fois que j'entendais parler de Marie d'une manière intelligente, mais pas intellectuelle, intelligente. Et en même temps, je me rappelle très bien, il y avait le repas de midi, moi j'étais là, lui il était deux tables plus loin. Et la personne qui était devant moi s'est levée pour aller chercher de l'eau, et j'avais le père Marido en face de moi. Et ceux qui ont connu le père Marido, à l'époque il avait les oreilles comme ça, les lunettes de la sécu qui étaient tordues comme ça, mais il m'a regardé, bah, il m'a regardé comme on regarde une personne. Jamais on m'avait regardé comme ça. Mais c'est un regard qui a fait tilt, quoi. Et la deuxième fois, il m'a regardé comme ça. Je servais les retraites à Châteauneuf-de-Galaure pendant que les... De la galère, oui. Ou pendant que les membres de foyer suivaient les retraites. Et en fait, je pouvais assister aux conférences du soir. Et j'ai croisé le père Marido dans un escalier. Vous savez, on tombe sous le cul, quoi. On ne peut pas se rendre compte. Ben peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont vécu des rencontres comme ça. Moi, je me rappelle, j'ai été scotché quand j'ai rencontré Jean-Paul II, grâce au père Marido. On est scotché, quoi. C'est même difficile à exprimer. Il y en a parmi vous qui ont pu rencontrer Benoît XVI ou qui ont rencontré des personnalités comme ça qui vous regardent dans les yeux et ils n'ont pas besoin de parler. Hein. Leur présence suffit, quoi. Et ça, le père Marido... Et après, je suis parti à Fribourg, donc. J'ai quitté l'Arche, j'ai quitté Marie-Françoise. Et puis j'ai commencé à suivre les cours de philo. Alors ça c'est génial, mais en même temps je comprenais rien. Et je vois le père Marido, il était à l'époque, on n'était pas très nombreux comme étudiants venant pour la communauté. Je crois que j'étais le 7e ou 8e. Et je le vois, puis je dis, père, votre cours, je me rappelle, c'est un cours de philo de l'art. Mais pour vous dire comment ça m'a marqué. Et je lui dis, mais père, voilà, c'est super vos cours, j'adore, mais je comprends rien. Il me dit, ben d'accord, vous avez compris ça. Ouais. Vous avez compris ça. Ouais. Ben alors dites pas que vous avez rien compris. Puis d'abord, je fais pas le cours que pour vous. Merci mon père. Mais c'était la bonne réponse. Et puis, ben voilà, j'ai travaillé. Heureusement qu'il était là quand même. Faut s'accrocher, hein. Oui. Il n'y aurait pas eu ces cours, je crois que je serais parti. C'était trop dur pour moi. Les cours universitaires, dans le sens trop faut apprendre. Mais je donne souvent l'exemple, mais peut-être que vous l'avez déjà entendu, quand on passait les examens à Fribourg, c'était, je crois qu'il y avait entre 12 et 15 examens en un mois et demi. Donc c'est la folie, moi je n'avais jamais passé l'examen. Mais je vous dis pas combien de fois j'ai pleuré. Combien de fois je me suis enfermé dans les chiottes pour pleurer. Parce que les autres, ils passaient les examens, ils étaient fiers, puis moi... Pff. Et alors, je passe l'examen de métaphysique avec le père Marido. Sur Lousia. Je m'assois. Mon père, vous allez bien, mon père? Ça va, vous? Oui, mon père, ça va bien. Il me dit, bon, je vais vous poser une question toute simple. Est-ce que vous pouvez me dire la différence entre la substance et l'âme? Et puis, sympa, il me dit, non, il n'a pas commencé comme ça. D'abord, est-ce que vous avez des questions à me poser? Tiens. C'est évident que je n'avais pas de questions. Moi, je flippais de trop et je ne comprenais rien encore. Je commençais à comprendre, mais je n'avais absolument pas confiance en mon intelligence. Mais j'ai trouvé ça super qu'il fasse ça. Puis voilà, alors est-ce que vous pouvez me dire la différence entre la substance et l'âme? J'avais envie de dire, bon, je vous en pose des questions. Moi. Puis il m'a dit, écoutez, là, je dois voir quelqu'un rapidement et je reviens. Moi, je vais vous dans mon sac. Évidemment, la réponse n'était pas dans mon sac, c'est évident. Mais il a été super. Il m'a dit, mais là, il m'a posé quelques questions qui m'ont mis sur la voie. Sur l'induction de la substance et puis sur l'induction de l'âme. Il m'a dit, bah, vous voyez, vous avez compris. Je dis, non, je n'ai pas encore tout compris là. Puis je me rappelle très bien, il m'a dit, mais si, la substance est du côté de l'être. Ah oui, l'être, c'est l'arbre que j'ai devant ma fenêtre alors. Et puis, non, j'en rajoute. Et puis la substance, c'est le vivant. Parce qu'il m'avait aidé à commencer à comprendre qu'on voulait. Bon, voilà. Et ça, c'était génial. Alors qu'il y avait des professeurs, il y avait 12 petits papiers découpés sur le bureau. Mmh. Il fallait tirer un petit papier. Ah, oui. Super intelligent. Si tu n'as pas retenu dans ta tête, tu es foutu, quoi. Si tu as bonne la mémoire, tu as un bon examen, tu es intelligent. Si tu n'as pas de mémoire, bah, tu es foutu. Et avec les autres étudiants, ça se passait comment? À côté ou...
intégré. Au début, c'était un peu dur pour eux. Ben pour moi aussi, parce que je fumais comme un pompier, parce que moi, j'avais besoin de prendre l'air, quoi. Mais j'avoue qu'il y a deux choses qui m'ont aidé. C'est la découverte de la Vierge Marie, parce que le Père Marido, Marthe, Fernand, enfin tous les amis que j'ai pu rencontrer, vraiment, c'est les gens qui aimaient la Sainte Vierge profondément. Et puis, j'avais lu... J'avais commencé à digérer un peu le traité de la vraie dévotion, le secret de Marie, les conférences du Père Marido que je dévorais quand il parlait de la Sainte Vierge. Et j'enregistrais, je réécoutais, je reprenais des notes. Donc quand j'allais pas bien, j'allais à l'oratoire et je disais à la Sainte Vierge, je sortirai pas d'ici tant que ça ira pas mieux. Et ça durait 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Mais quand je sortais, ça fallait, c'était reparti. Autrement, je serais parti. On peut leur demander s'ils ont des questions à poser. Oui, c'est avec plaisir. Est-ce que vous avez des questions à poser ? Je permettrai au Père Jean-Philippe de boire un peu d'eau. Oui. Et puis, préparer une question. Non, la première question est toujours très difficile à poser. Là, oui, n'hésitez pas. Je propose que quelqu'un vous pose la seconde question. Question. Non, tout est clair. S'il y en a qui voulaient me demander, c'est quoi Lousia ? Il y en a qui veulent de la philo, un petit cours de philo. Il y a un blanc. Alors on en est au... C'est un petit peu de temps. Oui, c'est un petit peu de temps. Marie. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment vous avez été amené à vous occuper des toxicomanes ? Ah, pour les toxicos. Mais écoute, c'est simple, je sortais d'un cours de métaphysique du Père Marido à Saint-Jodard. Comme quoi les cours de métaphysique, on finit peut-être pas prof de philo, mais il se passe toujours quelque chose. Et il me dit, Père Jean-Philippe, vous allez vous occuper de toxico. Il dit, très bien mon père, mais moi j'y connais rien chez les toxico. Moi, je connais l'alcool, je connais la bagarre, je connais la rue, mais les toxico, je connais pas. J'ai jamais touché à la drogue, hein. J'ai refusé, grâce à Fernand d'ailleurs. Et parce que j'ai pu parler avec lui, il m'a dit, t'as pas besoin de ça, toi. Et puis voilà, donc je suis parti, en fait j'ai commencé à... j'ai commencé dans une association qui était à Toulouse à l'époque, qui s'appelait le Patriarche. C'est une association qui a été dissoute aujourd'hui, mais pour laquelle j'avais un grand respect pour le fondateur. Je le connaissais bien. Il a dévié petit à petit, mais j'aimais beaucoup son feeling. Et puis, il aimait les jeunes. Alors que c'était une époque où on disait les toxicos, c'est des malades, donc il faut les confier à des psychologues. Et il faut les mettre dans les hôpitaux psychiatriques ou psycho. Et alors lui disait non, c'est des jeunes qui ont rencontré une galère, ils ont rencontré un produit, et pour les en sortir, il faut les remettre au boulot, se lever le matin, prendre soin de soi, prendre soin des autres, la vie quoi. Et ça, j'ai fait ça pendant 2 ans, 3 ans avec le patriarche. J'ai beaucoup circulé. Au début, c'est génial. Hein. On m'avait dit engage-toi, tu verras du pays, ça marche. Hein. Je suis allé en Espagne, tout ça dans ma voiture, hein. En Espagne, en Italie, en Belgique, en Suisse, toute la France. Où est-ce que je suis allé encore ? J'ai pris l'avion, j'ai pris le bateau, Puis au bout d'un moment, t'en as ras-le-bol. Tu dors dans la voiture, tu manges dans la voiture, tu tombes en panne dans la voiture. Ça, c'est j'ai vécu des galères pas possibles. Je me suis gelé. J'ai passé des nuits à me geler dans ma voiture parce que j'avais pas de duvet. Après, j'avais le duvet, le thermos. On est prudent. Et puis, mais ça a été des moments merveilleux où j'ai rencontré des jeunes extraordinaires. Des jeunes complètement déstructurés, complètement démolis. Je racontais il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si j'en parle dans mon bouquin, un terroriste de l'ETA. C'était à Toulouse. Et parce qu'on les changeait de pays ou de foyer justement pour les déraciner. Et puis... il me raconte un peu sa vie au début, assez désagréable avec moi. Je sentais bien une espèce de peur des curés. Et puis, puis finalement, on finit par manger ensemble dans la pension, à table. Puis, content de parler, donc je le laisse parler. Et puis, il me raconte qu'un jour, il était avec les copains terroristes de l'ETA, donc, je ne sais plus, dans un petit village, dans un resto. Et les flics qui arrivent, la gendarmerie qui arrive, ils étaient encerclés, quoi, très rapidement. Donc il rentre dans le restaurant, et puis il n'y a pas d'issue, il ne peut pas sortir par derrière, c'est une petite maison, il n'y a rien, il n'y a qu'une chose, c'est la véranda. Il passe par la fenêtre, il tire la fenêtre derrière lui, il s'allonge sur la véranda. Il dit, Seigneur, s'il ne lève pas la tête, ils ne me verront pas. Je te promets que s'il ne me voit pas, je n'irai pas en prison, et je te promets, je me convertis. Vous devinez la suite. Il n'a pas été en prison. Donc les flics ne l'ont pas vu, et il s'est converti.
Mais c'était pas triste, hein. Mais un type avec un cœur grand comme un HLM, mais alors une grosse brute, hein, les tatouages partout. Il m'a raconté un peu quelques-uns des attentats auxquels il a participé, avec aucun désir de tuer des gens. Mais, et pour faire ça, bah, il se défonçait. Et j'avais des gens en face de moi qui n'étaient pas des super cathos, mais qui étaient des gens bons. Et qui à la messe, on voyait qui priait, qui à la petite Thérèse, qui voyait son père prier, quoi. Ça, c'est super important. Il y avait une question, monsieur. Est-ce qu'une phase de séminaire, par exemple, et comment vous étiez ordonné prêtre, par exemple? Ah ben oui, j'ai fait ma formation à Fribourg. Fribourg, c'est une ville en Suisse qui est tenue par les Dominicains. C'est l'université catholique de Fribourg. Et à cette époque-là, la première année quand je suis arrivé en septembre 76, on était 7 ou 8, mais on n'était pas des frères encore. On venait pour le père Marido, parce qu'on l'avait découvert au cours des retraites. Et on venait se former. Moi, je voulais pas rentrer au séminaire parce que ce que j'avais entendu dire, c'est que on me disait tu continueras à travailler en usine et puis tu seras ordonné prêtre au bout de quelques années. Tu suivras des petits cours comme ça. C'est-à-dire, t'es nul, quoi. Tu vas pas faire des études, tu crois quoi? Et ça m'a pas plu. Mais je le dis comme ça aujourd'hui. Moi, je sais pas, pour devenir prêtre, j'avais dans ma tête qu'il fallait suivre des cours qui forment. Et ça, c'est pour ça que je suis allé à Fribourg, avec le père Marido. Et que ces cours ont été vraiment pour moi super, quoi. Je peux pas dire j'ai tout assimilé, j'ai bossé comme je pouvais. Vraiment, je travaillais, vraiment. J'ai beaucoup travaillé. Mais là où les autres mettaient une heure pour comprendre, moi, je mettais deux jours. Mais je voulais que ça rentre. Et je me rappelle, j'ai passé un autre examen de métaphysique avec le père Marido. J'avais la chance d'être un de ses chauffeurs. Et là, il m'avait fait passer un examen, je ne sais plus très bien sur quoi. Mais c'était sûr. Mais il m'a sorti ce que j'avais dans les tripes. Mais je me rappelle encore. Il me dit, vous voyez, vous avez compris. Peut-être oui, vous avez compris. Mais j'étais tout heureux qu'il m'ait fait sortir ça, quoi. Parce que j'avais pas confiance en moi. J'arrivais pas à comprendre que j'avais compris. J'arrivais pas à accepter que j'avais compris. Mais je pouvais pas. Voilà. Puis il y a eu le passage à Alcatraz, une des îles de l'Airain. Ouf. ça faisait partie. Bon, ça a été un bon noviciat aussi, hein. En fait, au début, on était liés à l'abbaye d'Airain et on devait faire 2 fois 3 mois. Mais nous, on n'est pas. À l'époque, on était frères étudiants. Là, la communauté n'était pas née encore. Elle allait naître et on n'avait pas encore l'habit. Mais le noviciat, dans un noviciat de vie religieuse, où il faut se lever à 5h moins le quart du matin, il faut obéir à la cloche. On avait la seule lecture, c'était la Bible. Aucun travail intellectuel. Mais je commençais à y prendre goût, moi. Et surtout, j'en avais besoin pour vivre. C'était pas simplement un réconfort intellectuel, c'était une nourriture aussi. Parce que la vérité, elle nourrit. Et le maître des novices, il ne pouvait pas comprendre ça. Mais je me rappelle qu'on lui a tellement pris la tête, mais tous les frères qui étaient là, on lui a tellement pris la tête qu'il a autorisé qu'on ait le premier volume du commentaire de Saint Jean par Saint Thomas d'Aquin. Là, au moins, on avait un os à manger, quoi. Mais en même temps, ça a été dur, mais en même temps, c'était pour moi, moi, j'étais très instable. Et à l'Erins, vous êtes coincé, c'est une île. J'avais la concupiscence de la valise, mais... Comment vos parents ont réagi quand ils ont su que vous... Ah oui, c'est une bonne question. Mon père est mort avant de savoir que j'allais devenir prêtre. T'as raison de poser la question parce que je ne l'ai pas dit. En fait, mon père est mort en... Quelle année? C'était avant que je rentre. Il a dû mourir en 75. Et en fait, il est mort d'un cancer parce qu'à 50 ans, il était à la retraite, parce qu'il était à SNCF. Il est parti à Nantes, parce que c'était notre pays d'origine. Et en fait, il s'est suicidé à la clope. Parce qu'il s'était remarié une troisième fois. Et là, je le dis dans la valise, c'était... Dans le bouquin, c'était une galère pas possible, quoi. Attends, j'ai pas fini. Et puis, en fait, à l'enterrement de mon père, à la sortie de la messe de l'enterrement de mon père, il y a quelqu'un qui vient me voir et qui me dit, il y a une dame qui voudrait vous voir. Donc, j'avais 25 ans. Hein. Et moi, je dis, écoutez, vous êtes gentil, mais bon, c'est l'enterrement de mon père, on verra tout à l'heure. Elle me dit, mais c'est votre maman. Et là, j'ai retrouvé ma maman. Mais en même temps, c'était un peu la déception. Je ne l'avais pas vue depuis 20 ans. Ça fait 20 ans que j'avais aucune nouvelle. Donc elle a pu nous dire qu'en fait, elle nous écrivait tous les mois. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas, parce qu'elle avait le cancer du coude, comme disait Coluche.
elle buvait. Et puis en même temps, elle s'était remariée, elle avait une fille. Mais bon, nous, très heureux de retrouver notre mère. Ça, je raconte. Mais de là avoir de l'affection, j'étais grand. Moi, j'avais qu'une envie, même à 25 ans, je m'en foutais. C'est de me mettre sur ses genoux et d'avoir un câlin, quoi. Voilà. Ce qui fait que mon père et ma mère se sont jamais revus. Mais on a retrouvé ma mère. Et ma mère est morte pendant que j'étais en Guinée, avant d'arriver ici. Donc j'ai pu venir la voir avant qu'elle meure. Parce qu'en fait, le billet d'avion était très très cher. Et moi, je n'avais pas d'argent. Et la communauté non plus. Donc j'ai pu payer un billet. Je suis venu. Et c'est moi qui lui ai annoncé qu'elle allait mourir, quoi. Ça, c'était un peu dur, quoi. Mais je lui parlais de Jésus. Et elle me regardait avec des grands yeux comme ça. Et puis dès qu'on parlait d'autre chose, qu'elle se mettait à pleurer, je vais mourir. Et moi, je lui reparlais de Jésus. Je lui parlais de la Sainte Vierge. Je lui dis, regarde pas derrière. Regarde devant. Il est là. Il t'attend. S'en fout de ce que tu as vécu. Tu as toujours été gentil. Et c'est vrai qu'elle était bonne. Elle était bonne, avec de l'humour. Elle était courageuse, elle était femme de ménage. Hein. Et ça, c'était un bon moment. Je suis reparti en Guinée, puis elle est morte 15 jours après, mais moi, je n'avais pas de sous pour revenir. On est pris par le temps, la dernière question. Je vais répondre en partie à la question que j'ai posée. C'est, est-ce que tout cet amour, cette joie, cette compassion que tu as exprimée dans ton livre, et puis tu le vis, on le voit, c'est pour ça que je viens te voir. Pourquoi est-ce que tu l'as transmis à tes frères et tes sœurs, ce pardon, cette compassion et cette joie? Mes frères de famille. Ah, c'est toujours difficile. Tu transmets à nous, mais est-ce que tu as la réaction de ma sœur qui était témoin de Jéhovah, ça a été, oui, c'était bien, mais voilà. Patrick, bon, le plus jeune, qui est super, qui est gentil, qui a encore la foi, mais qui pratique plus, qui vient de divorcer, qui vit. Voilà, ouais. Mais lui, Patrick, on a un lien particulier. Je l'ai emmené il y a quelques années dans le désert. Vous savez, j'organise une marche dans le désert. Et puis à la fin, c'était deux jours avant la fin, on s'assoit dans un coin, parce que j'invitais tout le monde à se confesser. Puis lui, il venait pas, j'ai dit, tiens, c'est bizarre, bon, je suis son frère. Puis je m'assois à côté de lui, alors ça va Patrick, t'es content? Puis il pleure. Je dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Moi, tu sais, j'ai vécu des choses dures, mais je peux pas t'en parler. Et puis à un moment, il me dit, et c'est resté gravé dans mon cœur, et il me dit, tu sais, depuis qu'on est tout jeunes tous les deux, je t'ai toujours admiré. Je sais pas, je vous souhaite qu'il y ait un de vos frères ou une de vos sœurs vous dit ça un jour. Je t'ai toujours admiré. Vous savez, vous avez l'air con. Hein. Moi, j'ai eu l'air con, mais du coup, j'ai pleuré avec lui. Et puis Gérard, lui, il m'a engueulé pour le bouquin. Parce qu'il ne comprend pas. Lui, il est plus fermé. Puis surtout, il ne comprend pas, je parle comme ça de mon père. Parce que lui, il a eu un lien beaucoup plus... C'était l'aîné. Il avait un lien plus... Il était proche de mon père. Alors que les autres, on était... Voilà. Mais au niveau de la foi, c'est difficile. Nul n'est prophète dans son propre pays. Alors, on va accepter la dernière question et le dernier qui sera le commentaire de Fernand. Alors, juste avant Fernand, il y a une question. Tout le monde se déclenche, se déchaîne, c'est tout. Mais après, je serai là. Hein, après, je vais vous dire comment vous pourrez vous poser la question, Fernand Philippe. Donc, madame, et après Fernand pour la conclusion. S'il vous plaît, pourriez-vous nous parler de votre vie aujourd'hui et de ce que vous trouvez de beau dans le monde d'aujourd'hui? Ça, c'est une sacrée question. Je passerai me voir à mon bureau. Hein. Non, mais c'est une bonne question. Depuis que je suis arrivé donc je suis rentré de Guinée-Conakry. Hein. Je n'ai pas vraiment accroché avec l'Afrique. C'est pas que j'aime pas les Africains, mais voilà, je n'étais pas très à l'aise là-bas. Il faisait trop chaud. Puis c'était un moment où j'étais fragile. J'avais quitté Belvoisin. C'était des détachements qui étaient assez forts pour moi. Et heureusement, il y a ma famille religieuse qui est là pour... bon, tous les frères ne comprenaient pas, mais il y en a qui me comprenaient, heureusement qu'ils étaient là, parce que... Donc je suis arrivé ici, j'ai d'abord été aumônier à Passy-Buzinval. Voilà, j'étais comme un poisson dans l'eau. C'est-à-dire que j'arrivais le matin, j'avais qu'une envie, c'était de foutre le camp. Parce que j'étais pas là, c'était pas mon milieu. Bien qu'il y a des souffrances, je le reconnais. Et puis après, j'ai été vicaire de la paroisse pendant 6 ans. Et c'est là où j'ai pu commencer à repérer qu'il y avait, c'était une paroisse, comme je l'appelle dans le bouquin, c'est pas péjoratif, c'est pas méchant, c'était ma manière de m'exprimer à l'époque, c'était le club Cyrillus. Donc on n'était pas, oui, j'étais pas toujours très à l'aise moi non plus, mais petit à petit, voilà, on a appris à se découvrir. Mais surtout j'ai découvert qu'il y avait des pauvres qui venaient dans la paroisse et qui longeaient les murs. Donc très vite je les ai repérés. Et c'est comme ça qu'a démarré Magdalena, en fait, en puissance.
C'est-à-dire que j'ai créé un repas pour les gens seuls, pour les gens de la rue. J'ai dit, t'amènes ce que tu as à manger, puis on le mangera ensemble. On va partager notre repas. Et puis c'est devenu les vendredis du cœur, qui sont aujourd'hui les mercredis du cœur. Puis après, je suis allé me promener dans le bois de Boulogne, tout en étant vicaire. Je faisais un peu de sport, parce qu'il faut faire un peu de sport. Et j'ai découvert des gens qui se prostituaient dans le bois de Boulogne. J'ai pu parler un petit peu avec eux, mais bon, j'étais en tenue de sport. Donc, puis j'ai quand même pu dire, je suis prêtre à la paroisse à côté, mais je reviendrai te voir. Et puis voilà, et puis ça s'est fait comme ça. Après, ça a été les rencontres la nuit. Ça a mis du temps à se monter, parce que je ne veux pas être trop long. Vous découvrirez ça dans le film. Il y a un documentaire sur Internet qui s'appelle « Prêtre de choc », qui dure 56 minutes, qui est vraiment très beau. Là, il y a trois prêtres qui ont des apostolats un peu particuliers. Et puis après... Alors, est-ce que je suis... Et puis après, si l'évêque m'a demandé si j'acceptais d'être aumônier à la prison de Nanterre. Donc, j'ai d'abord commencé dans le quartier mineur. Pas très à l'aise au début parce que c'est plus le milieu carcéral. Mais très, très vite, très à l'aise avec les jeunes. Puis après, je suis passé dans l'ensemble de la prison. Et en fait, donc entre ça, la prison, la rencontre avec des garçons qui vivent des situations difficiles, même s'ils sont, même si, comme disent certains chrétiens, ils le méritent. Moi, ça me blesse tout le temps, parce qu'on ne mérite jamais d'être traité comme une merde. Et puis, c'est la rencontre avec les gens du bois, les mercredis du cœur et les nuits du cœur. Mais c'est toujours des missions. Pourquoi j'ai choisi le mot cœur ? Parce que c'est la rencontre entre différents milieux. Le premier logo que j'avais créé pour un forum que j'avais créé ici, qui s'appelait Osons la rencontre, c'est deux cœurs qui allaient l'un vers l'autre, mais qui ne sont pas du même milieu. Donc, qu'est-ce qui me rend heureux ? C'est la rencontre avec les personnes. Quel que soit ce qu'ils ont vécu, on s'enrichit toujours de la rencontre avec l'autre. Même quelquefois, je vous assure, je pique des colères. Mais après, je m'en veux, je me dis, il faut que tu écoutes. Parce que toute personne... Vous savez, il y a un bouquin que Jean Vanier a écrit qui s'appelle « Toute personne est une histoire sacrée ». C'est un très beau livre. Fernand, le dernier mot. Oui, ce que je constate, que Dieu ne choisit pas ceux qui sont capables, mais il est capable ceux qu'il a choisis. Qu'est-ce que vous voulez que je devienne avec un phénomène pareil ? J'avais la charge de faire une conclusion, mais je ne la ferai pas, Fernand vient de la faire. Donc, je répète, si vous ne l'avez pas vraiment entendu, Dieu ne choisit pas forcément ceux qui sont capables, mais il en capable ceux qu'il a choisi. Il rend capable ceux qu'il a choisi. Donc c'est la conclusion de Fernand. Si vous voulez avoir plus de détails sur cette conclusion, j'ai un truc à vous soumettre. Et on est vraiment à la bonne époque. Vous avez des bouquins qui sont en vente. Vous pouvez en acheter plusieurs parce que c'est la période des cadeaux de Noël. Et puis, le père Jean-Philippe est consigné à cette table pour faire un exercice qu'il va commencer avec mon bouquin que j'ai acheté, c'est qu'il va le dédicacer.